Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo qui, comme l'a eu dans le titre, sera un 10 minutes build challenge. J'avais déjà réalisé ce challenge auparavant sur ma chaîne, mais aujourd'hui j'ai envie de prendre ma revanche. Parce que bon, la première fois c'était pas top top quand même, hein. Enfin, on avait fait un truc vraiment très vite fait, c'était moderne mais c'était pas top, et surtout j'avais stressé comme pas possible. Cette fois-ci on va essayer de gérer le stress, voilà, et de faire quand même quelque chose de mieux et de peut-être on l'espère différent de ce que j'ai fait la première fois. On se retrouve donc pour cela sur la map de Oasis Springs et je pense que ça permettra justement de faire un terrain un peu différent. Voilà, on va essayer de faire un truc un peu comme les maisons dans le quartier, tu vois, donc c'est-à-dire un petit mélange de pierre, de bois, de feuilles, tout ça. Ça promet d'être plutôt sympathique. Je vous avoue que je sais absolument pas sur ce terrain qui est de 30x20, qui est de 30x20, comment je vais faire ma maison. Voilà, je ne sais absolument pas. Mais bon, écoutez, on va y aller un petit peu au talent. Voilà, donc écoutez, j'ai pris mon petit téléphone. Minuteur, parce qu'on va pas mettre le chronomètre, ça serait un peu débile. On va mettre le minuteur de 10 minutes. Écoutez les gars, est-ce que je suis prêt ou pas? Vraiment pas du tout. On va déjà appuyer sur mur. Voilà, je commence déjà à tricher, à avancer. Ok, 3, 2, 1... Let's go. Ok, c'est bon les gars, on a plus le temps. Du coup, on va directement commencer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... on va faire un séjour ici, genre on va faire un séjour là. Ok les gars, je vais vraiment faire je sais même pas du tout comment je vais gérer mon truc en fait. Comment je pourrais arranger cette maison, je ne sais absolument pas. Attendez, non, on va pas faire comme ça, on va faire comme ça parce que faut qu'on fasse une forme, on va dire, pas trop compliquée, parce que sinon me connaissant, je vais galérer, puis ça va m'énerver, puis voilà. Donc écoutez, on va pas faire une forme trop compliquée non plus. On va faire une terrasse, ça peut être cool si on fait une terrasse. Alors attends, je vais juste modifier la place de ma maison. Voilà, je vais la faire reculer de un carreau ou deux, voilà, ça sera nickel. On va du coup placer ma petite terrasse ici, on aura donc une magnifique terrasse là, si c'est pas beau. Nos Sims seront super bien, voilà, ils seront ça va faire un peu starter house. On va essayer de faire un truc un petit peu dans ce style là, je pense que ça va être cool. On va mettre une petite fondation sans escalier bien sûr, ça j'avais appris d'ailleurs au dernier moment. Ce qui est chiant aussi quand tu fais ce challenge, c'est que tu peux pas couper quoi, parce que sinon ça fait de la triche quoi. Donc si tu bafouilles, c'est juste horrible. Voilà, donc je vais essayer de pas bafouiller, parce que moi c'est souvent quelque chose qui m'arrive en plus. On va placer un toit comme ça plutôt. On va placer un toit comme ça et on va hop le mettre comme ceci. Le but étant de faire quelque chose un peu comme cela. Voilà, donc écoutez, on va essayer de faire une continuité entre les maisons. Voilà, on va monter ça. Est-ce que ça s'est monté? Bien sûr que je ne sais pas. Bien sûr que oui, oui, c'est nickel. Par contre... ouais, c'est... non, ça fait bizarre. Ça fait très bizarre. Ok, alors attendez, le truc ça veut dire que du coup faut que je l'agrandisse. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors attends, si je fais comme ça... aïe, qu'est-ce que je fais? Benjamin, je pars en vrille. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors attendez, ouais non. Attendez, on était bien tout à l'heure, on était bien. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que ça... ouais, mais si je recule, ça fait moche. Ouais, ce qu'il faut que je fasse, c'est que ça, je le recule d'un carreau. Comme ça, je le recule d'un carreau. Et comme ça, ça fait nickel. Yeah, c'est magnifique. Ok, du coup, on va mettre les petites bordures comme ça. Alors là, c'est des bordures un peu, ouais. Bordure marron ou pas? Non, bordure dorée. Eh oui, mon gars. On va mettre des bordures comme ça. Quoique, non, ça fait moche. Bordure blanche, la base. Ok, bordure blanche. On va mettre, bien sûr, les petites tuiles qui font plaisir. Oh, voilà, ces tuiles-là. Est-ce que ça va? Non, ça ne va absolument pas. Je n'aime pas trop. Celles-ci elles sont bien, ouais, celles-ci elles sont sympas. Ok, c'est bon, on part sur ça. Par contre il y a ce petit truc là, c'est moche. Help, comment je fais? Ah ouais, faut que je replace un toit comme ça, ok. Donc du coup on va faire ça, on va hop, copier. Voilà, hop, hop. Et oula, ça fait un peu bizarre l'entrée, hein. Ok, on va... ça fait bien ou pas? Je sais pas du tout si ça fait bien. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui m'arrive? Je fais n'importe quoi. Ok, ça ne ressemble à rien. C'est très moche. Alors attends, peut-être que si ça je le retourne... oula, qu'est-ce que tu fais Benji? Qu'est-ce que tu fais? Ça ne va plus. Ah, c'est horrible. Alors attends, peut-être si ça, je le tourne et je le... ah ouais! Eh oui mon gars, eh oui. Alors attendez, on va faire comme ça. Ça, on va le copier. Et voilà. Et voilà. Est-ce que ça fait beau? Bien sûr que non. C'est super moche, wesh. Bon, alors attendez, hop, on va le descendre un peu quand même. Ça, on va le descendre de 2, donc ça, on va aussi le descendre de 2. Non, ça ne va pas du tout. Alors attends, hop, voilà, comme ça, c'est nickel. On va rétrécir ce truc, ça, on va l'agrandir. Ça, du coup, on va le recoller là. Et voilà, mon gars, on commence à avoir un toit sympathique. Alors bon, d'habitude, un toit, c'est dans l'autre sens, là. C'est un peu un toit inversé, mais c'est pas très grave. Combien de temps il reste? Combien de temps il reste? Il reste, ça affiche même pas le temps. 6 minutes, ok, super, on est dans la merde.
C'est super. Alors on va prendre un motif de mur. Alors un motif de mur en pierre là, ça peut être cool. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ça les gars, je commence déjà à stresser, c'est horrible. Allez ça, ouais ça c'est sympa ça. Allez hop, on part sur ça. On va faire un petit truc comme ça. Après, ce qu'on pourrait mettre, on pourrait ici mettre une poutre. On va mettre une poutre blanche. Voilà, pourquoi pas. Ça peut être cool, bien sûr. Pourquoi j'arrive pas à descendre? Ah, c'était horrible. Ok, alors hop. Ça comme ça, voilà, comme ça, ça permet de faire des séparations. Et les séparations, c'est ma passion. Voilà, ensuite, on va mettre, c'est quoi les autres peintures? Ok, c'est du bois, ok, donc on va essayer de mettre du bois. Du bois blanc. C'est magnifique le bois blanc. Quoique, non, c'est peut-être pas très beau, je ne sais pas. Ouais, non, ça fait un peu bizarre. J'aime pas du tout, moi, c'est tellement pas le style de maison que je fais. En plus de base, c'est pour ça, ça me stresse énormément. Bon, écoutez, c'est pas grave, on s'adapte. Écoutez, ça fait quand même plutôt sympathique, c'est cool. On va du coup mettre un petit sol, on va mettre un petit truc comme ça. Voilà, c'est magnifique. Là les gars, franchement je suis content parce que du coup j'arrive à faire des nouveaux trucs. Je fais jamais des machins comme ça d'habitude. Je suis trop fier de moi. Voilà. Wesh, ah mince. Oh non, je peux pas faire le toit comme je veux. C'est une blague. Ok, je suis saoulé. Donc attends, mais non, ça veut dire que ça, faut que je mette comme ça. Oh, qu'est-ce que je suis bête. Ok, donc du coup c'est bon. Et ça, après ici, c'est bon. Maintenant, on va essayer de placer des fenêtres. Alors, et une porte aussi. Et une porte, parce qu'une porte c'est important. Ah, et attends, et aussi les fondations. Et moi, je vais tout faire en même temps. Qu'est-ce que je fais là? C'est pas bien. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment pas faire comme ça de base en plus. Hein. Bon, non, ça c'est moche. Mais ça c'est celui de base. Je suis vraiment bête. Ouais, allez, on part sur ça. Voilà. On le met tout autour. C'est magnifique. On va essayer de placer une porte, hein, ça serait quand même pas mal parce qu'une maison sans porte c'est pas une maison. On va placer une porte de ça. Non, ça ne va pas du tout. Attends, mais c'est quelle taille de mur ça? C'est quelle taille de mur? C'est les murs de... Ok, super, on peut même pas le savoir. Alors attends, hop. Petit, ok. On va du coup placer... Ah ouais, bah, les portes de base, c'est que t'as toujours à Oasis Springs, c'est la base. Ok, ensuite, on va mettre des fenêtres. Alors, des fenêtres, on va vraiment faire au plus simple, c'est-à-dire qu'on va mettre une là, on va en mettre... Ok, bien sûr, je peux pas en mettre ici, c'est super. On va mettre une ici, on va en mettre une là, et après, ici, on va mettre des grandes baies vitrées, ça va être cool. Ah non, quoique, je peux jouer sur ça, je peux mettre des machins comme ça aussi, c'est sympa. Mais non, on va pas le faire. Oh, c'est moche. Help, j'aime pas du tout mon truc. Pourquoi c'est laid comme ça, wesh? J'en ai marre. Ok, c'est pas très très beau, mais bon, c'est pas grave, on s'adapte. On va mettre la porte vitrée là. Elle est où cette porte vitrée? Voilà, c'est celle-ci, mais moi je veux celle du jeu de base. Où est-elle? Où est cette putain de porte? Je la trouve pas, wesh. Non, mais c'est une blague. Non, mais il y a bien une porte. Bon, ok, bah, c'est bon. Hop. Next. On va pas perdre du temps. Hein, voilà. Une barrière. On va mettre une barrière à cet extérieur magnifique. On va lui mettre une petite barrière comme cela. Voilà. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique, putain. Elle est magnifique, cette maison. Ok. Ensuite, on va enchaîner. On va remettre une fenêtre. Non, c'est pas celle-là que je veux. C'est les comme ça. Ouais, voilà. Comme ça. C'est magnifique. On va maintenant passer à l'intérieur. On va essayer de faire l'intérieur en 5-5. Alors, pour l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est que on va. On va pas se prendre la tête. Allez, hop. On va mettre comme ça. Voilà. Après, les gars, on a plus le temps. On a plus le temps. Je sais même pas combien de temps il reste d'ailleurs. Il reste. Ok, 2 minutes. On est foutu. J'ai perdu mon challenge. Je suis dégoûté. Pourquoi? Bon, ok. Alors, on va au moins placer les portes. Ça peut être cool, non? On va placer les portes simples. Voilà. Pourquoi se prendre la tête à faire compliqué quand on peut faire simple? Voilà, et ici du coup ça devait être ma cuisine. Donc du coup, mais j'aurai jamais le temps de la meubler. Ma maison ça va être horrible. On va mettre. Voilà, mais moi je comprends pas tout... Les gens qui font ce challenge, ils arrivent tout le temps. Ils font des trucs de ouf, pourquoi moi je suis nul comme ça? Wesh, qu'est-ce que j'ai de moi de moins que les autres en fait? J'en ai que c'est. Non mais sérieux, ça me saoule, je comprends clairement pas pourquoi tout le temps il m'arrive des bails comme ça. Moi j'en ai marre. Ce mur il n'existe pas en rouge. Oh, c'est trop dommage. Faudrait que je trouve un recolor sur les Sims ressources là et compagnie. Ça pourrait être grave cool. Allez, comment je vais mettre cet endroit? Je ne sais absolument pas du tout. C'est super. Non, c'est moche en jaune. Pourquoi? Bon, ok, on va essayer de placer un sol au moins, hein. Ça peut être sympa. Un sol. Non. Non, je ne sais pas. D'habitude, les sols, ils sont comme ça, je crois, dans les maisons... De cet endroit-là, d'Oasis Springs. J'arrive plus, les gars. Ok, on va essayer de faire... Ah non, attends. Voilà, ça fera mieux comme ça. Ça fait un peu plus symétrique. C'est cool. On va essayer de placer un carrelage. Ça serait cool.
Je sais pas quoi faire. J'y arrive plus. Non, les gars, je commence à bugger là. Aïe, 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 c'est pas bon. Non, c'est moche. C'est moche. Mais je vais le mettre quand même. Hop, voilà. Aïe, oh, pas le temps. Non, mais vas-y, ça me saoule. Comment faire? Là, les gars, je stresse. Je commence à dire n'importe quoi. C'est horrible. Non, j'aime pas ma salle de bain. Pourquoi ma salle de bain est comme ça? Qu'est-ce que tu fais, Benjamin? Putain. Non, faut pas faire des trucs comme ça. Ouais, non, mais ça c'est le truc de... Ah non, je croyais que c'était le truc de jungle. Aïe aïe aïe, ça aurait pas été très beau. On va essayer au moins de faire une cuisine. Combien de temps il reste? Ok, il reste 47 secondes. Lol. Bon bah du coup, on va faire un peu comme dans le style de Oasis Springs, en fait, dans les autres maisons, comme j'ai dit. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre un frigo comme cela. Et c'est bon, pourquoi se prendre la tête? On va mettre des trucs de luxe, nous on a plus le temps. On va mettre, hop, le machin après comme ça. Voilà, et le machin comme ça. Si c'est pas magnifique. Eh, cette cuisine, elle est trop belle, wesh. Bon, je vais mettre un truc comme ça. Ensuite, pourquoi pas, et je vais mettre une table, comme ça on pourra manger. C'est trop beau. Non, on va mettre une table. Où est-ce qu'on pourrait la mettre, ma table? Je sais pas. Je vais mettre une télé. Je vais mettre une télé. C'est pas grave. La télé, c'est plus important que la table. Du coup, on va mettre une télévision avec un magnifique canapé rouge qui vient du jeu de base. Et après, un lit. Un lit, c'est très important. Un lit. Et un lit. J'ai trop peur, wesh. Mood. Ok, les gars. Temps écoulé. Je suis dégoûté. Mon iPhone m'a fait peur. J'ai une crise cardiaque. J'ai cru que je faisais un début d'AVC là. Ok les gars, bon ben j'ai perdu. Je suis dégoûté. J'ai fait encore plus pire que la dernière fois. Mais en fait le truc c'est que j'ai fait trop grand. J'ai fait clairement trop grand. Et encore une fois, bien sûr, j'ai mal fait. C'est-à-dire que encore une fois, je prévois tout dernier moment. Je pense que j'aurais dû la préparer à l'avance. Enfin, je veux dire, décider un peu à l'avance de ce que j'allais faire, tu vois, parce que là clairement c'est pas bon du tout. Mais quand même, je trouve que sur l'intérieur on s'est amélioré. Après bon, il n'y a pas d'extérieur hein, par rapport à avant, c'est super. Ce qui serait cool c'est de la terminer quand même, parce qu'elle peut être sympa cette petite maison, je pense. Donc écoutez, on va la terminer. Voilà, ça peut être sympa. Donc du coup, on va revenir sur le salon du coup. Le salon qui ne ressemble absolument à rien. Alors déjà, non, déjà on va revenir sur la cuisine. On va revenir sur la cuisine déjà. Donc ce qu'on va mettre, c'est que on va mettre une petite table. Voilà. On va faire un truc un peu style starter house hein, je pense ça peut être cool. Alors attendez, ça du coup on va mettre ici comme ça, hop, on place la petite table là. Voilà, ça peut être ça. En fait c'est plutôt ce motif là, voilà, qui est utilisé un peu dans la maison de Oasis Springs. Ouais, c'est plutôt ce motif là. Écoutez, on va plutôt utiliser celui-ci hein, je pense que ça sera un peu plus cool. On va mettre des petits plans de travail en haut, je pense que ça peut être sympa. Voilà, alors on va pas mettre des gros non plus, on va mettre des petits hein, parce que bon, il y a pas trop de place non plus. C'est carrément une toute petite cuisine. Vraiment, je pense que c'est la plus petite cuisine que j'ai fait de ma vie. J'aime beaucoup moi en ce moment au niveau des plantes, c'est bien sûr celle du pack jungle qui sont en plus séparées maintenant. J'avais vu que ça avait été apporté avec une dernière mise à jour. Écoutez, je pense que du coup on va hop placer ces petites plantes un peu comme ça. Je pense qu'en plus ça peut aller grave bien dans Oasis Springs. Alors au niveau du salon, ce que nous allons faire c'est que on va, je pense, placer le tapis comme ça. On va mettre du coup ici un petit meuble télé, les meubles télé, je sais même plus où c'est là, voilà, les meubles téléviseur, je sais pas comment on dit, bref. Du coup on va placer un meuble pour la télé, voilà. Et on va bien sûr mettre comme d'habitude nos petites plantes. Alors petit update de cette maison, comme vous le voyez, voilà, je me suis occupé de faire un petit salon plutôt sympathique. Voilà, je le trouve plutôt sympa au niveau des couleurs et tout, ça va plutôt bien. Ça change encore une fois un petit peu de ce que je fais d'habitude. Au niveau de la cuisine, on en est là du coup, voilà à quoi ça ressemble. Écoutez, bon, la cuisine c'est du basique, voilà, j'ai vraiment pas trop su quoi mettre. Mais j'ai pas trop envie de la charger en fait, parce que vous voyez, il y a trop peu de plans de travail. Donc du coup, faudrait, ça servir à rien de la charger, parce qu'après tu peux plus cuisiner. Au niveau les amis, de la salle de bain pour continuer, je sais pas du tout si je modifie mon carrelage ou pas. Je pense que si, parce que je sais pas, je l'aime pas trop. On va prendre un truc quand même un peu plus foncé. Hein, pour que ça aille un peu avec le reste. Au pire les amis, on part sur le même carrelage que la cuisine. Et puis voilà, parce que clairement je sais vraiment pas quoi prendre. Du coup pour la salle de bain, on va faire un truc plutôt simple hein, je pense. On va prendre du coup une petite cabine de douche plutôt classique. Elles viennent d'où celle-là d'ailleurs? Ah, je crois que c'est le jeu de base hein, celle-là, si je me trompe pas. Écoutez, une jeu de base, je pense que ça peut être plutôt sympa. Niveau couleur, je pense qu'on va, ouais, on va prendre un peu comme ça. Voilà, ça peut être sympa. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait mettre le plus? Ah ouais, le panier à linge. Le panier à linge, c'est très important. Alors, on n'aura pas de... Comment on appelle ça? De...
de machine à laver. Voilà, je cherchais une eau. On n'aura pas de machine à laver, mais bon, écoutez, c'est pas bien grave. Et après, alors ouais, j'avais pris ce petit truc là. Ça, on va le placer, bah, du coup, ici. Et pour terminer, les amis, au niveau de la chambre, j'ai fait un petit truc comme ça. Alors ouais, cette chambre était en fait un petit peu grande, donc du coup, c'était un petit peu compliqué, voilà, pour l'aménager. Mais bon, écoutez, finalement, ça passe encore. Voilà, de toute façon, on va dire pour une starter, c'est plutôt correct. Où nous allons directement passer, eh ben, aux outils d'arbres et compagnie. Donc du coup, alors non, tout d'abord, ce que l'on va faire, c'est que on va placer, je pense, un petit peu de peinture le sol. Après, les amis, au niveau des arbres, bien sûr, c'est des palmiers que l'on a ben, le plus en fait. Donc écoutez, je pense qu'on va partir sur des petits palmiers. Palmiers. Alors attends, hop, voilà, on va baisser un petit peu. Voilà, comme ça, ça fera un petit peu mieux. On va mettre deux petits palmiers ici. Après, ce qu'on va mettre juste en dessous, c'est qu'on va mettre du sable. Du coup, le sable, alors hop, on va un peu baisser ça. Voilà, donc hop, on va faire un truc un petit peu comme ça. Voilà, faut que ce soit un peu brouillon, hein, parce que sinon, ça fait pas très, ça fait pas très naturel en fait. Donc écoutez, hop, on va après en mettre un ici. Et après, hop, on va mettre un peu vers là. Du coup, je pense que ça va être plutôt correct. Et on va, hop, du coup, replacer un palmier ici. Bien sûr, les petits cactus qui vont bien. Les cactus, à chaque fois, j'oublie toujours d'en placer. Donc écoutez, on va en mettre un petit peu, voilà, par là. Et après, en fait, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre pas mal de pierres, tout ça. Comme ça, ça fera vraiment quelque chose de plutôt sympa. Et puis voilà, les amis, bah, du coup, on a terminé cette création. Du coup, les amis, bah, j'espère que du coup, cette petite maison vous plaît. Écoutez, moi, je la trouve plutôt, plutôt sympathique, voilà. Bah, écoutez, le challenge 10 minutes, du coup, je l'ai pas du tout réussi. Mais au final, on a réussi à faire quand même une petite maison plutôt sympa, je trouve. Et c'est donc sur ce que cette vidéo-là, du coup, bah, se termine. J'espère en tout cas que, comme d'habitude, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et un petit commentaire si vous voulez une version 3 de ce challenge 10 minutes. Cette fois-ci, vraiment, j'essayerai d'être meilleur. Voilà, parce que là, les deux premières fois, c'était vraiment pas top. De plus, les amis, je vous invite à vous abonner. Ça fait toujours super plaisir. Et puis, quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!